Salut tout le monde, c'est VirgileB78 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de glitch sur Buried. Donc je vous avoue, là c'est ma toute première vidéo sur mon compte YouTube. Donc à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces verts parce que c'est vraiment un glitch très dur à réaliser. Donc je tiens à préciser que vous êtes invincible aux zombies mais pas aux sorcières. Et donc si vous voulez me demander en ami, je le dirai dans la vidéo un petit peu plus tard. Mais si vous n'arrivez pas, bah, je le mettrai dans la description. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc là, je vais à la banque et je vais essayer de me munir du paralyseur. Mais vous allez voir que les 3 ou 4 premières boîtes ne vont pas être très réussies, je vous l'avoue. Donc je vais avoir le barrette, je crois, en première arme. En deuxième, je vais avoir la HAMR. Puis après, ça va recommencer. Là, je dessine la haine et tout. Donc là, j'ai un barrette, c'est vraiment moyen. Je vais réanimer un de mes potes. Alors, ensuite, je fais un petit peu le fou. Je prends le laser 2. Là, une HMR, voilà. Ah non, le S12, je me suis trompée. C'est là que j'ai la HMR, je crois. Voilà. Alors, ensuite, donc là, je crois que je vais aller reprendre... Non, je vais pas aller reprendre de l'argent à la banque, je crois que je le ferai. Je prends pas les deux 5-7 parce que franchement, je vous l'avoue, c'est un petit peu nul. Hein. Donc là, je bute quelques zombies. Donc je tenais à m'excuser pour la qualité. Parce qu'en fait, je vais pas prendre un HD PVR non plus pour toutes mes vidéos. Parce que faut bien que ma chaîne elle marche et tout. Donc excusez-moi franchement pour la qualité. Et donc là, je sais plus ce que je vais faire. Oui, voilà, je vais aller à la banque, je crois. Je vais prendre un petit peu d'argent. Je vais me refaire une boîte et c'est dans ces deux boîtes que je crois que je vais avoir le paralyseur. Là, je ne suis pas sûre. Non, c'est à la troisième boîte. Je vais me faire un petit peu de points, là. C'est bientôt, voilà. Je prends l'instant instantané. Là, je vais attendre deux boîtes de mes alliés parce qu'ils étaient un petit peu radins avec les boîtes, je vous l'avoue. Il n'était pas content de son arme. Il reprend une caisse. Et c'est en fait à ma première boîte que je vais avoir le paralyseur. Donc j'étais assez content. Là c'est encore après cette boîte, voilà. Là je vais avoir le paralyseur, donc je suis assez content parce que je pourrais réaliser mon glitch. Donc là, je vais me faire quelques points et je vais ouvrir la salle du propulseur. Comme ça je pourrais réaliser mon glitch. Donc là je fais un petit peu le fou. J'essaie de monter sur la banque, mais je me rappelle plus qu'on pouvait pas passer au-dessus des canapés. Donc voilà, je bute un zombie, 2, 3. Si bientôt, oui, il va y avoir une bombe nucléaire. Et voilà. Là, je vais construire le propulseur. Et après, mon glitch bah, pourra être réalisé. Excusez-moi. Donc là, je construis la deuxième plaie. Ensuite. Le bon feu, voilà. Ça c'est une petite technique que j'ai vue sur internet, hein, je vous l'avoue. Voilà. Donc excusez-moi si je mets un peu de temps à monter dans le glitch parce qu'en fait il est vraiment très dur. Mais franchement quand vous êtes dedans vous êtes bien content parce que je peux vous dire qu'il est assez dur à réaliser. Donc là c'est juste ici, à côté du poteau, comme vous le voyez. Donc là, je vais me rater un petit peu dans les premiers plaçages. Et au bout de la quatrième ou cinquième fois, je sais plus. Je sais plus si c'est plus ou moins. Et donc, je vais être dans un côté out of map et un côté hors de la map. Donc je tiens à préciser que les sorcières, vous n'êtes pas invincibles à elles. Elles peuvent vous prendre votre argent. Mais vous êtes carrément invincibles aux zombies. Et ça, je trouve ça très bien. Et ce qui est bien dans ce glitch, je trouve, c'est vous allez être en fait juste à côté d'une barrière de zombies. Donc les manches passeront deux fois plus vite. C'est ça que je trouve assez pratique, je vous l'avoue. Et donc là, je sais plus si c'est là. Oui. Voilà, c'est ici que je vais le réussir normalement, je sais plus. J'y suis là, normalement. Oh mince. Bon, là, normalement, j'y arrive. Après celui-là. Oh, c'est pas possible. Voilà, c'est celle-là, la bonne. Et voilà.
Donc, je vous avoue, les graphismes en Out of Map sont vraiment dégueux. Et je tiens à préciser qu'à la fin du mois, les créateurs de Call of Duty Black Ops 2, donc c'est-à-dire la communauté Treyarch, arrêteront de patcher les glitches. Et donc, ce que je trouve assez bien, je vous le montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, quand je vais accélérer, c'est qu'on peut, en fait, on peut sortir de glitch sans se suicider. Et donc, en fait, vous avez juste à vous accroupir. Donc là, je vais accélérer la vidéo pour vous montrer qu'on peut. On a juste à s'accroupir. Oui, mais je vous l'avoue, excusez-moi si je mets un petit peu des phrases décalées. Donc, j'ai regardé ça sur internet, hein, les trucs de Treyarch. Donc, c'est, à mon avis, c'est une rumeur. Je ne sais pas. Après, c'est ce qu'on m'a dit sur internet. Donc là, vous voyez, excusez-moi, que je vais bientôt m'accroupir et je vais tomber, très facilement. Je vais tuer encore quelques petits zombies. Et à la fin de la vidéo, en fait, je vais mourir très bêtement. Je vous l'avoue. Donc là, c'est bientôt, je vais m'accroupir. Ouais, voilà. Bientôt. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait monter en haut. Alors, j'ai essayé, on ne pouvait pas. Donc là, je me suis accroupi quand mes alliés étaient tombés, voilà. Je vais m'accroupir bientôt dans la vidéo. J'attends que mes trois alliés en fait soient morts. Et voilà, excusez-moi, je me suis trompée. Donc là, je vais aller essayer de réanimer mon coéquipier. Mais je ne vais pas. Enfin, en fait, je vais mourir tellement bêtement. Donc c'est assez dommage, je trouve. Donc là, je fais un petit atterrissage en douceur. Et là, en fait, comme vous le voyez, il y a pas mal de zombies. Mais je vous avoue que je suis mort assez bêtement. Regardez, ils m'ont bloqué. Et là, voilà. Et en fait, mon allié, là-bas, il va se prendre deux claques de zombies bientôt. Du coup, là, il essaye de me réanimer, mais il a pas le temps. Et il va se prendre deux claques de zombies. Et là, vous voyez, il est prêt en sandwich. Et donc, on meurt. Donc la vidéo va toucher à sa fin. Moi, je vous dis bye tout le monde et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut.